Mon nom est Evelyne Akiba, je suis directrice générale de la Fondation Raif Badawi pour la liberté. Je veux saluer les personnes et les personnalités attachantes qui ont spontanément accepté de partager ce moment avec vous ce soir, et particulièrement l'équipe d'Unité 9. Je salue les politiciens, les députés, Bernard Landry et Jean-François Lisée, les champions et porteurs de la laïcité qui sont venus souligner leur appui à la famille Badawi. J'ai dit qui, Landry? Qu'est-ce que j'ai dit? Landry, c'est le grand lapsus. Pardon Bernard, Bernard Drainville, je répète, Bernard Drainville, le champion de la laïcité. Je salue Constance Fréchette du conseil d'administration et du conseil aviseur Daniel Barry, journaliste et essayiste, Alain Saunier, journaliste et réalisateur. Je salue l'équipe d'étudiants de l'Institut Grasset sous la coordination de Claudine Courcy qui assure la diffusion en direct sur le web. Encore une fois, bonjour web, c'est un mot en arabe web finalement, et l'enregistrement complet de la soirée. Je salue Sylvie Legault, comédienne émérite, entre autres, de la Ligue d'improvisation, qui a collaboré avec moi à la mise en lecture de la soirée. Merci Sylvie. Vous l'aurez compris, c'est une soirée consacrée aux mots, et uniquement aux mots. Vous dire quelques mots sur la Fondation et sa mission qui est, disons-le en citant Ensaf, le prolongement et l'incarnation des valeurs de Raif, lequel serait très heureux de constater à quel point son combat est partagé par tant de personnes dans le monde. Vous trouverez des détails sur la mission et les objectifs de la Fondation, mais sachez que cette année, nous travaillerons sur une publication, sur la remise du prix Raif Badawi et sur un autre événement vers la fin de l'année 2016. Un anniversaire derrière les barreaux, c'est pas un cadeau. C'est notre thème ce soir. Malgré les interventions de leaders et parlementaires de nombreux pays, les reconnaissances, les prix internationaux, le prix Sakharov 2015, l'équivalent du prix Nobel, le gouvernement saoudien maintient Raif en prisonnier, comme par ailleurs plusieurs autres prisonniers d'opinion dans le pays, mais aussi à Bahreïn. Il s'appelle Ashraf Fayad, Walid Abu Al-Khair, Mohamed Sheikh Ould Mkhtir, Panwez Jawad, le père de Hussein Jawad, qui est lui-même accusé, qui est en exil en ce moment à Paris avec la famille, Halil al-Washi et Raif Badawi, et de nombreux autres dont nous ne connaissons pas encore les noms. Ils sont emprisonnés parce qu'ils défendent les droits de l'homme et la liberté d'expression dans un monde arabe. Ce sont des prisonniers de conscience. C'est ce soir l'anniversaire, en fait c'était le 13 janvier, et Raif a eu 32 ans, c'était il y a deux jours. C'est pour souligner son anniversaire que la fondation qui porte son nom tient cette soirée, une soirée pour lui exprimer notre solidarité. Quoi de mieux pour la lui exprimer que de reprendre précisément les écrits qui ont conduit à son arrestation. Des écrits, vous les entendrez, empreints de très grande douceur, avant d'exprimer la liberté d'expression et la laïcité qui lui tiennent tant à cœur. Raif n'est pas un criminel, c'est un prisonnier de conscience dans un pays, entre guillemets, allié, entre autres, des Américains, des Français, des Canadiens, bref, des pays qui ont pour socle la démocratie et sont des états de droit reconnus. Ce soir, nous allons vous présenter des extraits de textes écrits par Raif sur son blog, des extraits choisis parce qu'ils nous interpellent. Raif les a écrits dans un seul et unique but, celui d'inciter son pays à entreprendre des réformes pour offrir à sa jeunesse, à ses femmes, plus de liberté de mouvement et que ce pays auquel il est attaché tende à devenir un exemple d'ouverture du monde arabe. Il n'a pas encore réussi son pari. Il est toujours derrière les barreaux depuis plus de 3 ans. Il n'a pas vu Ensaf, sa femme et ses 3 enfants Najwa, Doudi, Myriam depuis plus de 4 ans. Ce soir, vous entendrez des artistes, des poètes, comédiens et comédiennes, syndicalistes, des personnalités du Québec venues vous lire soit des extraits du livre de Raif, soit exprimer à leur manière et par leur création leur soutien à la famille Badawi. J'invite celles qui représentent l'organisme qui nous a sensibilisés et qui continue
de défendre ardemment la cause de Raïf, Béatrice Beaugrand, directrice générale d'Amnesty International du Canada francophone, qui vous donnera aussi des nouvelles de Raïf. Et bonne soirée. Béatrice. Merci beaucoup Evelyne, merci beaucoup à la Fondation d'avoir invité Amnesty. Et merci à vous tous qui avez agi. Quelle année 2015. On avait Raïf Badawi dans le radar depuis 2014 déjà. On avait aussi pris contact et fait grandement connaissance. Et maintenant, on peut dire que ce sont des amis avec Elsa, avec la famille. On joue au soccer ensemble. C'est ça la vie. Je vais vous donner un petit peu de peut-être les ingrédients de cette mobilisation qui a pris évidemment une ampleur incroyable, surtout avec, on n'est pas évidemment à moindre défaut avec cette manifestation de vous soutenez pour Charlie, avec un représentant de l'ambassade saoudienne, alors que deux jours plus tôt on avait fouetté Raïf avec 50 coups de fouet. Je pense que c'est ça qui a aidé beaucoup évidemment à la mise en lumière du cas Raïf Badawi. Alors qu'est-ce que ça prend cette mobilisation-là? Déjà ça prend de l'information. Je suis fière de mentionner le travail de notre équipe de recherche sur l'Arabie Saoudite qui, depuis des décennies, documente ce qui se passe en Arabie Saoudite, documente aussi expressément ce qui se passe pour Raïf et l'ensemble des prisonniers d'opinion parce qu'ils sont nombreux en Arabie Saoudite. Ça prend bien sûr des visages, ça prend une histoire et évidemment quand on voit le courage exemplaire d'Ensaf, sa droiture, sa dignité, je l'ai accompagnée dans de nombreuses rencontres, elle est impeccable et elle sait ce qu'elle veut et elle sait ce qu'elle demande. Pour toutes les questions politiques, je vous en prie, Amnesty International va y répondre. Mais elle, son mandat, c'est la libération de Raïf et c'est parfait, c'est ça qu'il faut. Donc ça prend des visages et des histoires, ça prend bien sûr beaucoup de bruit. Bonsoir. Depuis la prison en 2015, j'étais tout occupé à tenter de réinventer le libéralisme en Arabie Saoudite pour participer à la diffusion des lumières dans ma communauté, abattre les murs de l'ignorance, effriter l'inviolabilité du clergé et essayer de promouvoir un embryon d'opposition et le respect de la liberté d'expression, des droits de la femme et de ceux des minorités et des indigents en Arabie Saoudite. La liberté d'expression est la plus grande raison pour laquelle l'homme doit se battre. La liberté d'expression est la raison pour laquelle beaucoup ont souffert et beaucoup sont morts. Sans la liberté d'expression, on n'aurait jamais écouté les discours de Martin Luther King, « I have a dream », qui nous a montré les rêves d'un peuple. En même temps, on n'aurait jamais écouté les propos perturbants du groupe KKK, qui nous a démontré leur haine pour l'humanité. La liberté d'expression nous a donné le discours de John F. Kennedy au début de sa présidence, qui nous a toutes donné l'espoir d'un meilleur lendemain. Et elle nous a aussi exposé la haine et la rage d'un Adolf Hitler. La liberté d'expression est pour que l'humanité se fasse sa propre opinion sur les dires et non que des gouvernements ou dictateurs le fassent pour nous. Comme le dit si bien Raïf dans son blog, les règles juridiques du droit positif sont une nécessité incontournable pour l'homme et la société. La réglementation de la circulation, le code de travail, les lois qui régissent l'administration d'un pays dans tous les domaines ne peuvent en aucun cas s'inspirer de la religion. Si la liberté d'expression est si importante pour nous ici au Canada, s'il vous plaît, aidez-nous à libérer M. Raïf Badawi. Le printemps arabe entre le choix de la laïcité et le mythe du modèle. Paru sur le site web Al Jazeera. Lorsqu'on lit l'ouvrage du grand penseur marocain Saïd Nachid, intitulé « Le choix de la laïcité et le mythe du modèle » et publié par l'Association des rationalistes arabes avec la participation de la maison d'édition Al Talia Assise à Beyrouth, on s'aperçoit qu'il est un de ces rares essais qui vous oblige à plusieurs relectures soigneuses, sans ennuyer ni lasser jamais le lecteur ou le chercheur. Et je n'exagère pas si je vais plus loin et ajoute qu'il a influencé ma conception du modèle de laïcité occidentale à l'état pur et m'a mené au bord d'un vertigineux abîme de tourments à
force de le relire et d'y découvrir tant d'idées pertinentes. Dans sa préface à l'ouvrage, l'auteur pose la question suivante. Qui lui donne le droit de prendre la plume ou d'ouvrir la bouche pour dénoncer l'hypocrisie laïque de nations plus développées que lui et que son propre peuple? Et encore, qui est-il pour oser critiquer des nations devant qui il devrait s'incliner, puisqu'elles représentent un modèle d'avenir qui lui échappe encore, bien que nous soyons à l'aube du troisième millénaire? Ces questions hypothétiques sont d'ordinaire émises par des adeptes de l'autoflagellation. Or, ici, c'est en exergue à son livre et avec une intelligence aiguë que Nachid dépose. Sa réponse, ou plus exactement ses réponses, saute aux yeux dans l'ouvrage tout entier. Avec nous, et ceux qui sont avec nous, on se demande toujours, parce que ce soir, on est là, on est solidaire, on est en équipe, on se dit, on a toute notre énergie dirigée vers vous. Mais en même temps, on se dit, demain, qu'est-ce qu'on va faire? Après-demain, qu'est-ce qu'on va faire? Ce livre-là, parce qu'on a tous été outrés de la situation, des coups de fouet, mais quand on lit, quand on a lu ce qu'il a écrit, c'est encore pire, parce qu'on se dit, cet homme qui a dit tant de choses vraies, simples, en toute humilité, en toute beauté. Il y a une beauté dans ce livre-là, et c'est encore pire. Alors, si vous avez des gens autour de vous que vous aimez, achetez ce livre et donnez-leur, et qu'eux fassent la même chose. Il faut que le plus de monde ait le plaisir et le privilège de lire ça. Merci, petite note de Raïf. Selon la loi musulmane, l'homme, pour divorcer, doit réitérer par trois fois la formule de répudiation qui met fin à la vie commune. La troisième répudiation, rendant la rupture définitive, l'homme ne peut se remarier avec la même femme que si celle-ci a entre-temps épousé un autre homme, consommé le mariage, puis divorcé. Non, mais quelles mouches les ont piquées pour nous sortir des lois pareilles, des lois rétrogrades, hein, des mouches radicalisées au cégep Maisonneuve? Tout ça pour ne pas heurter la sensibilité des imams Chaoui et Charkaoui qui croient qu'il est blasphématoire de critiquer l'islam parce qu'ils ont lu le Coran à l'envers? Oui, entre parenthèses, s'il y a quelqu'un ici par hasard qui ne sait pas c'est quoi un imam, un imam, c'est comme un curé, mais hétérosexuel. Non, mais... de toute façon, pour ces chrétiens-là, juste le fait d'être une femme est un blasphème. Alors, tant qu'à blasphémer, blasphémons. J'aime autant avoir une place de choix en enfer. Genre l'équivalent d'une loge au Centre Bell, avec Brad Pitt qui sert les drinks, puis DiCaprio qui sert les bretzels. Non, mais j'en reviens pas que mon gouvernement veuille m'imposer une loi qui m'interdit de rire de ma religion dans un état de droits et libertés. Hein? Comment? Le mot nation est un terme important, dont ne connaissent la valeur et le sens que ceux qui font preuve d'une abnégation totale envers elle, car ils savent qu'elle est sacrée au point de passer avant tout. Ceux-là lui offrent pour la défendre leur âme, leur bien et leur descendance. Bonne fête ô mon pays, et bonne fête à vous, fils et filles de mon pays. Bonsoir, c'est avec beaucoup d'émotion que... on peut se retrouver ici comme poète, tous les poètes se joignent à moi pour offrir un message d'amour à Ensaf et à ses trois enfants. Et nous exigeons que Raïf soit libéré. 2016 sera son année, car on le veut ici au Québec. Tissage de mots, Raïf, tu saisis l'horreur, les périls un à un. Beaucoup de choses restent tues, la blessure dans la pénombre. Quelque chose enfoui dans la prison depuis longtemps se rue sur toi. Tu es né dans le pays de la mort. Tu éprouves la langue mise à mal d'instant
en instant. Les mêmes sons, les mêmes silences, en prière, douleur. Certains mots, tels des clés, libèrent de la barbarie. Derrière les barreaux, on entend une voix au battement d'humanité. Que son geste et hurlement en révolte, en pagaille, sur la page de l'histoire, qu'est cette voix appartenant à une autre langue qui refuse désormais de se taire. Cette voix, qu'elle vienne d'Égypte, de Syrie, du Yémen ou d'Arabie Saoudite. Tu es né, Raïf, pour écrire le mot « liberté ». Deuxième et dernier poème. Au milieu du désert, les pages s'écrient en terre d'exil. Ni jour, ni nuit, ni soleil, ni obscurité, ni maison, ni demeure où trouver repos. De vertige en vertige, que du sable mouvant. Trouver refuge dans le silence de la prison. En blogueur, tu t'abandonnes à ta rime, Raïf, cassant tabous et préjugés. Porteur de générations futures, en héros, assoiffé de justice, tu mènes le combat du siècle. Les poètes de tous les pays accompagnent ton engagement. Ton verbe, Raïf, à ce point d'étrangeté, enterre ta naissance pour renaître ici, au Québec. Merci. On sera captive et nous, Raïf Barwazi, libres comme les rend bien. Devant tous les dieux et les rois, devant tous les faux prophètes, car il n'y a que de faux prophètes. Ceci étant un truisme, évidemment. Une vérité de la police. Vanny disait, et si tout est calme, appelle la police. Quand nous ne sommes plus à genoux, ils sont plus petits que nous. Et nous prions aux autels de la liberté d'expression, car pour nous, le verbe est le réel absolu. Merci. Et j'espère qu'on pourra accueillir ici Raïf Barwazi pour revenir avec moi boire de la bière. Et je pourrais dire, mon tabarnak, on va pas te remettre là-bas avec un esti fou comme ça, il a-tu vu le nez? Si on l'invitait ici, le roi de la barbarie saoudite à faire de la coke, il va sniffer le budget en deux narines. Hey! Ce que tu veux. La liberté d'expression est l'air que respire tout penseur, ainsi que le combustible qui enflamme sa pensée. Au fil des siècles, les nations et les sociétés n'ont progressé que grâce à leurs penseurs. C'est grâce aux idées et aux philosophes et aux philosophies qui leur sont proposées que les peuples peuvent choisir un système de pensée adéquat, le développer, pour qu'il les mène jusqu'aux océans de la science, du progrès, de la civilisation et de la prospérité. Les sociétés du monde entier et les organisations de défense des droits de l'homme demandent aux régimes arabes davantage de réformes dans le domaine de la liberté d'expression. Ils estiment qu'il s'agit là d'un droit essentiel. Vous êtes un humain, vous avez donc le droit de vous exprimer et de penser comme bon vous semble, ainsi que le droit d'exprimer ce à quoi vous pensez. Vous avez le droit de croire et de réfléchir. Vous avez le droit d'aimer ou de haïr. Vous avez le droit d'être libéral ou islamiste. Les religions monothéistes ont prôné avec insistance la liberté d'expression. Pourtant, le penseur arabe, même lorsqu'il est partisan de la libre pensée, s'est habitué dans ses textes à entortiller ses idées pour les faire passer. Surtout si les réflexions éclairées et libres qu'il propose sont considérées comme des apostats et des blasphèmes, puisque dans... Tu dis oui aux corvées. Tu dis oui à la peur. Tu dis oui à la torture. Tu dis oui à la pauvreté. Tu dis oui à la douleur.
J'ai dit oui à tout, sauf à toi. Tu t'oublies dans un coin. Tu dis non à ta chair. Tu dis non à ton esprit. Tu dis non à ta liberté. Tu dis non à tes rêves. Tu dis non à l'espoir. Je comprends ta servitude. On t'a préparé à obéir. Depuis toujours, les hommes pensent à ta place. Les religieux te rabaissent. Les politiques t'oppressent. Les marchands de vérité te bradent. Tu n'as pas le droit de montrer tes atours. Tu n'as pas le droit de montrer tes courbes. On a fait... Ma grand-mère paternelle, originaire du sud du pays, me parlait de la vie simple et ouverte que menaient en son temps les femmes aux côtés des hommes, leurs frères. Et Raïf, bonne fête. Je poursuis encore ce mirage. J'ai passé 2 ans à attendre derrière cette porte de l'exil, qui n'ouvre sur rien d'autre qu'un vide vertigineux où disparaissent toutes les questions brûlantes. Quand reviendra-t-il? Comment et dans quel état reviendra-t-il? Comment m'habillerai-je? Comment réagirai-je? Est-ce que je le serrerai contre moi? Est-ce que je l'embrasserai? Est-ce que je pleurerai? De douloureux souvenirs me tirent de ma rêverie, car à cette heure-ci, d'habitude, je me prépare avec Raïf à sortir en ville. On commence. Ensaf, Najwa, Doudi, Myriam, je vous invite à venir me rejoindre. Merci à tous de votre présence ce soir. Si Raïf voit vivre ce soir, il serait très heureux. Il souhaite que l'année prochaine, il soit ici avec nous. Joyeux anniversaire, Raïf. Tout va bien, je vais rentrer. Ah, voilà. Je prendrai des risques.